marche. Du coup, je propose Novi Novoa, Borokato Diamond, Mimosa Looking for Song, comme ça. On finit sur okay. une touche un peu. Ouais. Ok. Ok. C'est cool. Coucou tout le monde. Coucou. T'es prête? Oui. 1, 2, 3, 4 et... Dans un nid trop petit pour me garder du froid. Moi la terre était lourde et tranquille, et tes bras n'attendaient que moi. La vie m'a soufflé dans les voiles, si vite, si vite, si fort, et si loin de mon île. J'ai des racines jusqu'aux étoiles, une langue et des voix fortes comme des villes. Qu'on a faite sur l'album avec Isaro, c'est une chanteuse d'Egualdé, une chanteuse de Donosti, Saint-Sébastien. Exactement. Et donc c'est une chanson qui parle de la féminité, comment on se sent femme dans notre société, comment aussi dans la famille on peut transmettre de génération en génération cette condition de femme. Ouais. Voilà. Que chacune des femmes se sent femme à sa façon finalement. C'est beau. C'est très bon. C'est vrai. Belle symphonie. Hop. T'aimes bien ce mot. Tac.
merci aussi à Iker Lauroba pour la musique. Oui, d'avoir composé cette chanson. Ouais, oui, c'est ça. Et Madi Chalachoua pour les paroles. Pour les paroles. Chouette collaboration, tout ça. Prête, t'es parti. Ouais. C'est une chanson en malgache, une chanson d'amour, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un monsieur qui est amoureux d'une dame, simplement, et qui lui dit qu'elle est comme sa fleur préférée, le mimosa. C'est toi qui as mon capot d'astre? Oui, je te passe. C'est bon, je l'ai là. Merci. Donc pour cette chanson, j'ai dû apprendre le malgache. Non, c'est pas vrai. En phonétique, du moins. Ouais.
Et c'est une chanson que j'avais apprise à Madagascar pendant le voyage que j'ai fait en 2019. Et c'est Nicole et Ir, nos guides et chauffeurs, qui me l'avaient enseignée. Et c'est un peu à Madagascar, comme une hymne en tout cas, tout le monde connaît cette chanson. Et elle est du groupe Maléo, super groupe malgache. Thank you.
faire des petits solos, mais ouais, ça s'improvise pas. C'est un autre métier. Il faut se rendre à l'évidence. Mais c'était bien tenté. Looking for a song? Oui. Allez, c'est la dernière chanson de cette petite vidéo. Je vais te reprendre le capot, s'il te plaît, Doudou. Et passer un coup d'accordage. Donc, notre album va sortir en fait le 27 novembre. Aux éditions Agorilla. Voilà. Et bon, il est déjà sorti sur les plateformes de streaming. Et on a déjà pas mal de bons retours, c'est chouette. Et on espère voilà, que cet album pourra voyager, que vous le ferez voyager vous aussi. Et en tout cas, nous, on a mis plein de bonnes ondes, plein de bonnes ondes positives dedans. Et voilà, ouais. on espère que ben voilà, ça va voyager, que ça va vous loin et longtemps. Et qui va vous faire danser aussi un petit peu. Et ouais, ça. Alors attends, je vais mettre un petit coup d'accordage. Donc Looking for a Song, c'est une chanson sur la recherche d'inspiration. Voilà, c'est un thème assez récurrent dans nos métiers. Ouais, je sais pas s'il fait beaucoup l'objet de chansons, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on rencontre tous, la recherche de l'inspiration. Et ça peut devenir une prise de tête aussi. C'est clair. Voilà. Et cette chanson, elle nous a été écrite et composée par un superbe artiste qui s'appelle Dean Simpson, qui est sur Lyon en fait. Et en fait, il a fait le parallèle entre la recherche de l'inspiration, c'est un peu comme des marins qui prennent la mer et qui veulent aller à la rencontre des sirènes, mais ils n'arrivaient jamais à les trouver. Et voilà, c'est une petite chanson légère qui, sympa, qui, chanter, qui parle de ça. Au coin du feu. T'es prête? Oui. For the cold to come in, the other.
us in the silence and fall to a better day. Merci à tous. Merci, j'espère que ça vous a plu. On fait de gros bisous. À très vite. Merci. Salut.